Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez déclaré ici que quand vous avez appris le massacre, vous vous êtes déplacé avec une équipe pour aller au stade. Vous avez fait ce sacrifice. C'est grâce à vos obligations professionnelles ou bien vous l'avez fait parce que c'est à titre de patriotisme. Le fait d'aller au stade avec une ambulance pour aller prendre les malades, prendre les violés, les blessés et les envoyer à l'hôpital. Je veux savoir, vous l'avez fait parce que vous êtes médecin, c'est selon vos obligations professionnelles. Je pense que dans la conscience de tout personnel de santé, lorsqu'on se rend compte que la vie d'autrui est en danger, c'est son rôle d'intervenir pour sauver la vie. Tout à fait. Ça, c'est un courage. Je veux savoir, vous avez déclaré ici que les premières heures du massacre, vous avez pris contact avec l'équipe de garde avant d'aller au stade. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce qu'il y avait une coordination entre l'équipe de garde et vous qui étiez parti au stade? Si, par exemple, on envoyait des blessés et des violés pour les recevoir? De toutes les façons, c'est obligatoire. À partir du moment où des blessés sont pris dans un endroit vers un hôpital, quel que soit le taux de remplissage de l'hôpital, l'hôpital est obligé de dispenser les premiers soins avant de transférer dans une autre institution hospitalière capable d'assurer la même prise en charge. D'accord. Est-ce que parmi les femmes victimes de viol, est-ce que selon votre diagnostic, certaines nécessitaient une évacuation? Est-ce que il était question, mais vu l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on pouvait prétendre à une évacuation vers l'extérieur? Je pense qu'il y a suffisamment de compétences dans le pays pour la prise en charge de ce type d'acte. D'accord. Est-ce que, en tant que chef service gynécologie, est-ce que ce jour-là, le nombre de victimes que vous avez reçues, est-ce qu'il y avait un stock disponible pour soigner toutes ces personnes-là? Je sais que toutes les personnes qui sont venues ce jour-là ont été prises en charge. Absolument. Je veux savoir, est-ce que, parce que vous les avez prises en charge, les soins vont continuer. Est-ce que durant tout le temps de soins, les médicaments étaient disponibles? Alors, il y a eu plusieurs catégories de blessés qui sont venus. Les autres, les blessés communs, sont pris en charge par le service des urgences où il y a un chef de service qui est chirurgien. Les prises en charge ont été mises en place et les personnes revenaient pour celles qui avaient besoin de pansements pour refaire leur pansement, par exemple, ou celles qui avaient eu des sutures pour enlever les fils de suture, etc. Donc, la continuité des soins a été effectivement assurée, selon mon entendement, mais je n'étais pas tout le temps au service des urgences, parce qu'après le jour et le lendemain, je ne suis pas venu aux urgences puisque ce n'est pas ça ma fonction. Ma fonction était de m'occuper du service de gynécologie et d'obstétrique. D'accord. S'il arrive que dans le stock, un médicament manque, est-ce que vous prescrivez une ordonnance pour qu'on aille payer dans les pharmacies? Normalement, pas pour les blessés lorsqu'il y a des événements. Dans la ville de Conakry, il y a toujours un stock qui est disponible à l'hôpital pour ce genre de prise en charge. Donc, il n'y a pas d'ordonnance. En tout cas, nous n'avons pas établi d'ordonnance. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'assistance financière des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et CIR? Oui, bien sûr.
Dans le cadre de la prise en charge des femmes violées, ces institutions ont mis à la disposition des services de gynécologie et de tous les services sur la ville de Conakry qui dispensaient des soins à ces femmes-là, ce qu'on appelle les kits de protection, les kits de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, que quand une personne, qu'elle soit femme ou homme, est violée, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, s'assurer que la personne a eu en tout cas des sévices qui font penser au viol, premièrement. Deuxièmement, si c'est une femme, s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Troisièmement, qu'elle n'a pas été contaminée par une maladie sexuellement transmissible. Et au cours de l'entretien, essayer de cerner le personnage pour s'assurer que la personne n'a pas de troubles psychologiques. Et donc, ces institutions sont intervenues pour donner des kits de protection, c'est-à-dire conseiller la vaccination contre l'hépatite B, par exemple, pour protéger ces personnes contre ces maladies, protéger les gens contre le VIH-SIDA, en donnant un traitement immédiat, préventif. D'accord, d'accord, d'accord. Je veux savoir, ces malades-là, vous vous souvenez, il y a eu combien de jours, combien de mois pour que ces femmes violées la guérissent? Ce n'est pas le genre de personne qui aime beaucoup l'hôpital. Donc, lorsque nous avons eu deux entretiens, ou trois au maximum, les personnes ont disparu et ne sont pas venues nous voir. D'accord. Et vous avez dit que vous vous êtes rendu au quartier d'Ixin-Boura, derrière ceux qui étaient blessés et qui ont été hébergés par des familles. Normalement, si vous voyez des militaires devant ces familles qui hébergent les blessés, c'était dans l'intention, comme les militaires les chassaient, c'était dans l'intention de les prendre et les envoyer pour les emprisonner, n'est-ce pas? Je ne peux pas deviner l'intention de quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mais je sais en tout cas voilà. Qu'ils étaient là. Je veux dire, normalement, est-ce que les militaires là devaient être présents devant des différentes familles qui ont hébergé les blessés? Je ne sais pas à quoi répondre à votre question, j'en sais rien. Lors du passage du général divisionnaire, M. Bafoué, il a déclaré ici que la sécurité du stade était assurée par l'escadron de la gendarmerie de Dixin. Est-ce que quand vous êtes parti au stade, vous avez vu les gendarmes au stade? Ceux auxquels je me suis adressé étaient des policiers. C'était des policiers. Ceux auxquels je me suis adressé. Mais je ne peux pas dire s'il y avait des gendarmes ou non. Mais ceux-là, là, que moi j'ai vus, c'était des policiers. Quand vous êtes entré au stade? Je ne suis pas entré au stade. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Je ne suis pas entré. Vous n'êtes pas rentré? Non. Bon, le policier qui vous a dit, professeur, quand vous l'avez exprimé le fait de rentrer, il vous a dit d'attendre, d'aller voir son chef hiérarchique. Est-ce que ce jour-là, vous avez pu faire votre travail, vraiment prendre les malades, les envoyer à l'hôpital? Dans le quartier, oui, mais pas au stade. Voilà. Au niveau de l'hôpital, on a parlé de la présence des béret rouges dans l'enceinte de Donka. Ces béret rouges-là, est-ce qu'ils étaient là pour assurer la protection ou bien c'était pour empêcher les médecins de faire leur travail? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question.
Nous n'étions pas contents, en tout cas la majorité du personnel, d'avoir des militaires, surtout qu'ils avaient tendance à être agressifs. Et la preuve, un groupe a lancé des grenades dans la cour de l'hôpital, des fumigènes en tout cas. D'accord. Donc, parce que Madame Fatou Siké Camara a déclaré ici qu'elle avait appris que les militaires étaient venus, mais les médecins traitants les ont dit de sortir pour leur permettre de faire leur travail. Oui, c'est vrai. Ça a été dit. Et, mon professeur, est-ce que vous savez, selon la loi portant statut général des militaires, l'armée guinéenne est une armée républicaine au service de la nation? Vous le savez? Ben, je pense que c'est les mêmes dispositions pour toutes les armées du monde, non? Voilà. Est-ce que le citoyen, c'est une obligation de résultat pour l'armée guinéenne de protéger la population? Vous le savez ou pas? Je pense que c'est inscrit dans ce qu'ils doivent faire. Donc, moi, je vous remercie d'avoir le courage d'aller au stade pour aller chercher, pour aller prendre les malades, les amener à l'hôpital, parce que quelqu'un qui est victime d'une atrocité ne peut pas se déplacer facilement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Monsieur Keta. Bonjour, Madame. Monsieur Keta, selon vous, les éléments de la carte présidentielle que vous aviez vus au stade relevaient de qui? J'ai parlé de gardiens. J'ai pas parlé de gardiens. Vous avez déclaré ici avoir vu des militaires qui portaient des bérets rouges, si je suis de bonne mémoire. Moi, je ne sais pas s'ils sont de la garde présidentielle ou non, j'en sais rien. Mais j'ai vu des bérets rouges dans le quartier. Oui, ça c'est effectif. Je ne sais pas à quel corps ils appartenaient. D'accord. Est-ce que ces éléments pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique? J'en sais rien, parce que je ne connais pas les règles qui les régissent. J'en sais rien. D'accord. Monsieur Keta, qu'est-ce qui vous a animé ce jour-là à sortir pour aller rechercher les blessés graves? Le devoir, tout simplement. Un esprit de patriotisme. Le devoir, et certainement du patriotisme, mais c'est surtout le devoir de médecin. D'accord. Vous avez déclaré ici avoir reçu 29 victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration? Oui, après le jour du 28 septembre, oui, dans les jours qui ont suivi, oui, ces personnes-là appartiennent. Celles qui sont venues le jour n'ont pas été enregistrées par mon service, ils ont été enregistrées par le service des urgences. C'est celles que nous avons vues après, qui avaient des problèmes, qui sont venues nous voir. On n'était pas la seule structure qui nous occupions de ça. Il y avait plusieurs autres structures dans la ville de Conakry qui s'occupaient de viol. Oui. Est-ce que vous savez que certaines femmes avaient été victimes de viol, avaient été chassées de l'hôpital? Bon, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol? Pardon? J'ai dit, est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol? Probablement, oui, mais je ne sais pas. D'accord. Les femmes victimes de viol que vous aviez reçues, elles étaient dans quel état? Comme une personne violée. Complètement démoralisé, au bord de la crise de démence, parce que plusieurs sont passés par le service de psychiatrie de l'hôpital qui s'occupait d'elle pour pouvoir prodiguer des conseils. Et il y en a qui sont restés très longtemps dans leur prise en charge parce qu'elles étaient complètement déboussolées. Certaines femmes ont affirmé à cette barre que pendant l'acte sexuel, les bourreaux avaient utilisé des objets. Elles nous ont raconté ça aussi, oui, des objets, oui.
des morceaux de bois, en particulier des fusils, des canons de fusils. Est-ce que vous aviez constaté ces traces? Il y avait des blessures, mais nous ne pouvons pas dire si la blessure a été provoquée par un fusil ou autre. On peut dire simplement c'est par une arme pointue, coupante ou qu'on l'entend. C'est ce que nous pouvons dire. Mais on ne peut pas dire plus. Madame Fatou Sike a déclaré à cette barre que les services des urgences de l'hôpital Donka ressemblaient à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? En tout cas, un champ de bataille, parce qu'il y avait des blessés partout. Des blessés graves? Il y a eu des blessés graves là-dedans. Oui. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Bonjour, maître. Je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je vous entretiens autour de la grenade, des grenades qui ont été jetées dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Vous maintenez cela? Oui. C'était à quel dessein ces grenades ont été jetées? Qui peut comprendre le dessein de la personne qui jette une grenade sur des personnes civiles qui, de plus, appartiennent à un corps particulier? Les professionnels de santé, je ne sais pas quel était leur dessein. Certainement pour faire du mal, forcément. Il y avait des attroupements de médecins qui ripostaient contre l'arrivée des militaires? Non, les médecins ont protesté et ont montré leur colère pour la présence militaire. Mais il n'y a pas eu d'affrontement physique. Non. Mais ils n'étaient pas contents, vu ce qui était en train de se passer, que des militaires soient là. Et les blessés? Pardon? Les blessés? Les blessés étaient dans la salle, dans un autre endroit. Si vous connaissez l'hôpital Donka, vous avez un grand portail, vous avez à l'époque un portillon d'un côté, et puis le service des urgences, c'est le bâtiment qui, en entrant à l'hôpital, est sur votre gauche. Bien. Est-ce qu'il y a eu des victimes? Qu'est-ce que vous appelez victimes? C'est-à-dire à la suite de ces grenades qui ont été jetées par les militaires. Non, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes? Pas que je me souvienne, parce que c'était... J'ai eu l'impression que c'était un fumigène, plutôt. Ça a dégagé de la fumée, mais bon. On a entendu une explosion, ça a dégagé de la fumée, mais il n'y a pas eu de blessés. Autant que je me souvienne, non. Aucun militaire n'avait été agressé dans l'enceinte de l'hôpital? De toutes les façons, ce jour-là, aucun homme normal n'aurait osé affronter un militaire. Je vous remercie, monsieur le président.